Alors, je crois que c'est la plaine du Romaron, ça s'appelle, entre Châteauneuf et Carry, et du côté de Valtrède. Ça a bien brûlé il y a 3 jours maintenant. Je suis venu me rendre compte de ce qui a brûlé ou pas, parce que c'est un peu mon terrain de jeu, ça, pour lui, là. Bon, pour le moment, j'ai juste vu, entre Carry et Ansuès, par là-bas, une colline qui a brûlé. Par contre, en face, là-bas, à droite du soleil qui se lève, on voit de la fumée toute fraîche. Et c'est pas la carrière. Et à l'heure, j'y suis passé tout à l'heure et ça fumait pas. Hein. Allez, je vais me diriger vers Châteauneuf. C'est surtout là-bas que ça a brûlé. En tout cas, ça sent bien le bois brûlé ici. Alors, donc, j'étais en face, là-bas, tout au fond, sur la première vidéo. Pas de dégâts sur toute la plaine là-bas. J'ai remonté Valtrède, tout le vallon là-bas au fond. Pas de dégâts. Et là maintenant je vais arriver au canton. Le canton ça s'appelle, c'est la forêt domaniale de Ch Châteauneuf. Et si ça a brûlé, ben, ça va être là. Par contre, je sais pas à quel niveau. Châteauneuf, c'est un peu tout le long en bas, toute la crête là. C'est parti, voilà, forêt communale, le canton. Ben, c'est juste là, un peu partout que ça a brûlé. Hein. C'est quand j'ai le vélo là. Bon, tant pis. Ça, c'est le chemin que je prends d'habitude pour redescendre soit sur Châteauneuf-la-Mède, soit vers l'Escourillon là-bas. Pas brûlé, mais avec le soleil en face, on ne voit pas trop. Voilà, là je rentre dedans, on va mieux voir. Ah ouais, puis c'est frais. Hein. Voilà. Du coup, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un chemin qui allait aussi loin là-bas. Je suis jamais allé là-bas. Hein. Eh bien, moi je vais descendre au niveau de l'antenne qui est là-bas. Tout à l'heure, j'ai croisé trois camions pompiers qui étaient stationnés en attente. Et en plus, ce jour-là, il y avait Mistral fort. Ben, c'est, je crois que c'est le jour de l'étape annulée du Ventoux, là. Donc là, je suis à la grosse citerne. Le feu, il s'est arrêté juste là. Il s'est arrêté. C'est surtout les pompiers qui l'ont arrêté, je pense. Parce que le Mistral, en fait, il vient d'en bas. Et il aurait pu sauter et cramer tout le reste jusqu'à Carry là-bas. Aujourd'hui, j'ai pas le harnais, je suis obligé de tenir à la main. Le harnais, il est dans les gorges de l'Ardèche. Ouais, il a quand même bien cramé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. L'écran, au bout d'un moment, il se met en veille. Encore chaud. C'est les pompiers qui se sont tracés un accès à travers les arbres. La citerne, qui a dû bien servir, hein, parce qu'elle est pleine, hein. Enfin, elle était.